Te voilà. Tu bouges avec grâce. Je ne sais pas comment tu fais. Je te jure, je ne peux pas vivre comme toi. Mrs. Bouchot sourit comme d'habitude, comme elle le faisait quand tu l'as quittée. Toi, tu quittais tout en souriant. Le coucher de soleil était beau. Le soleil ne se couche jamais deux fois dans la même journée, tu disais. Moi non plus, je n'ai pas arrêté de faire des choses, tu sais. Parfois, je me promène, je salue tout le monde, je continue ma route pleine de grâce. Personne ne s'en rend compte. D'autres fois, je regarde les petites cuillères à café. Elles seront là pour toujours. Je pense qu'un jour, peut-être, je mourrai, j'irai là où tu es pour que nous puissions les regarder ensemble. Mais il y a des fois, tu sais, il y a des fois où je commence à croire que tu ne te trouves peut-être nulle part. Comme ces volutes de fumée qui émanaient de tes cigarettes. Je pense que depuis là où tu te trouves, on ne peut rien voir, ni rien penser, ni même sentir ou toucher. Et j'irai un jour là-bas et je ne veux pas. Et je ne veux pas non plus que tu y sois. Et je veux que personne n'y ait jamais. Alors tout se transforme en cage et je me retrouve enfermée à l'intérieur. Je ne peux pas respirer. Mais parfois seulement, je te revois en train de sourire à Mrs. Bouchot. Et le coucher du soleil redevient beau. Et je comprends que le soleil ne se couche jamais deux fois dans la même journée. Mais parfois cela arrive. Ça, tu ne savais pas.